né au Mali, à Ségou. Après, j'ai grandi à Bamako, Bobo Dioulassour. Après, j'ai fait le Super Raïban de Bamako, les ambassadeurs, tout en jouant avec le coup, les stars, avec Abdoulaye Diabaté. Après Don Cherry, il y a eu les rencontres, les jam sessions avec les Nina Simone et tous ceux qui ont écrit l'histoire de la musique en fait. C'est ainsi que j'ai pu jouer dans Prime Time avec Ornette Coleman ou Josa Onoul, Hank Jones aussi. Guerrier, non, c'est là. Régisseur ami, bassiste ami. À force d'appeler les autres guerriers, que moi maintenant on est en train de m'appeler guerrier. Pense et joue comme tu es, c'est tout, basta. Tu comprends? Moi, je te donne un chemin. Ce chemin-là, approprie-le toi. Comment toi, ce que toi, tu peux le ressentir et me le restituer. Mais sois un peu avec nous seulement, quoi, c'est tout. Hein? Ça va le faire. Non, mais attends, Guerrier, je sais. Je sais que ça va le faire. Viens vraiment dans mon retour, s'il te plaît, guerrier. J'ai pas du tout envie de. Voilà, celui-là, là. N'hésite pas, il faut me le donner vraiment. Je vais contrôler après. On vous parle là. Oula. Guerrier, c'est toi qui as ouvert ça. Mais moi. Les gens, pour la musique, tout ça, j'avais besoin d'aller tout le temps au Châtelet ou rue Saint-Maur. À l'époque, il y avait une boîte africaine où ça jouait live. Des musiciens de tous bords d'Afrique, du Cameroun, tout ça, ça s'appelait le Farafina. Le feu les arrête là et nous on profite. On s'en goûte. Paris était central. Ceux qui étaient à Paris avant, d'accord. Pauvre ou pas pauvre. Mais ceux qui. Pauvres ont voulu venir à Paris, c'est impossible. On les a toujours amenés loin. Donc, on a construit dans le souci de moderniser les choses. On a enlevé une part d'humanité, je pense. Tout est devenu aseptisé. Même les distractions sont conditionnées, programmées. Hein? Ouais, ça joue. Les guerriers sont là. Les gens ils ne viennent pas s'éclater de passage dans les bars comme ça, là, en dehors, tout ça, là, sans que ça fasse un gros scandale. Tu vois, c'est fini maintenant. On est conditionné à consommer ce qu'on nous propose dans un souci de non-ingérence.
tu vois. C'est quoi, j'adore ça. Oui, rien à cacher, gars. Non, c'est vrai. Mais prenez vos contacts, parce que c'est... Ah oui, mais bien sûr. Attends, le festival, c'est hein? Ça, c'est le guerrier, là, lui. Ça veut dire qu'il faut bien faire sa partition, point barre. Ça veut dire ne pas déranger l'autre dans sa distraction. Donc, tout, on est en train d'être un peu robotisé. Hein? Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup plus de liberté. Même si on dit, ouais, non, maintenant il y a le hip-hop, chacun. D'accord, le hip-hop intelligent sera le hip-hop qui va s'accaparer de tout cet héritage-là. Hein? De comment est-ce que les gens avaient la force de dire non et bam, 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 quand c'était non. Et un oui, un vrai oui. Pas un oui avec des sous-entendus. Je ne vais pas à la retraite, ça va. J'ai encore du temps, je pense, et de continuer de créer et de me faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Quand je dis world music, musique du monde, c'est un danger pour nous, c'est un crime contre nous. Les gens n'ont pas compris. C'est dans les années 80 qu'on nous a créé l'appellation world music pour nous mettre dans un bac pour pouvoir nous exposer la sous-musique. Il y a même des jeunes, qui, je ne dirais pas jeunes, mais des gens qui méritaient droit au chapitre auquel on a réellement jamais tendu la perche. Je parle de Etienne Mbappé, Guy Sangé, Mokhtar Samba, Guy Brice Ouassi, Paco Seri, Michel Alibo. Ça, c'est des entités, des gens qui avaient un message fort même à passer. Mais on les a pas respectés. Je ne dis pas, bon, on ne leur a pas donné, et ça veut dire la reconnaissance, tu vois. Je pourrais te citer encore une vingtaine. J'ai une garde noire très fournie. Hein? Je les vois et qui se battent, ils conservent des projets, ensemble. D'autres ne sont même pas dans la musique, c'est des créateurs. Mais bon, ils n'ont jamais de prime time. Moi, je suis resté toujours derrière la musique. Je ne fais pas la musique pour paraître. Je fais la musique pour ressentir quelque chose et les restituer. À ceux qui m'écoutent ou ceux qui ne m'écoutent même pas. Tu vois, pour la nature. Hey, Lockwood. Didier. C'est vrai que c'était tu as le bonjour de Ouagadougou. Oh, ça me manque. J'y retourne, j'ai un baobab là-bas dans le parc arrosé. Il le faut. L'album, il est fini. Tu sais, c'est l'album un peu fou. C'est la première fois que je joue tous les instruments. Tout. Même les chœurs, ils ne m'ont pas accepté. Tu pars, papa, c'est gros. J'achète. On ouvre la jam, on joue un morceau quoi. On joue, c'est que on commence normalement. Le gars joue déjà quoi. Il n'a même pas commencé, ça joue. C'est le pays. Voilà, c'est le pays ça. Amen. Amen va payer la cola, mais c'est bien. Hey. C'est fini? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Bien et vous? Oui, très bien. Ça merci. Va? Oui. Le concert de Pedro? Ah non, je ne sais pas du tout. Au New Morning, je vois des gens. Je n'étais pas au New Morning, je pense que j'étais juste à côté au studio. Ah ouais, répétition. Voilà, exactement. Et Batucada. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais bon, en tout cas. Bonsoir. Ah bon? Ah, d'accord. Ah, c'est mon guerrier, ça, moi aussi.
Sergent Tchatcho. Ça c'est la famille. King. La famille. Voilà. Et man, this is Lassie King Massa, bah maintenant on one man, comme on le dit chez nous, on dit chez nous, si tu es bon, c'est bon, si tu es trop bon, tu deviens bonbon, et c'est tout le monde qui veut te sucer. Ah, peut-être avec elle, non? Et un chèque, tu es lève-toi. Moi, je suis ton fils. Mais je sais. Mon père, c'est ton ami. Mais vous avez bu de la bière ensemble. Vous avez de la bière ensemble. Mon père et toi. Non, lui, buvait de la bière, moi, je buvais du gingembre. Malheureusement pour toi, parce que j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Tu vois, Reza, la seule personne à sa catégorie qui a permis que je fasse un petit service. Oui, mais Guerrier, toi aussi, pourquoi tu fais des plans comme ça? Oui, oui. Suis le mouvement, gars. Fais là. Oui. Oui, mais moi je suis à Paris, ouais, mais toi tu ne suis pas le mouvement. Ensemble, non? Si, si, ensemble. Et puis jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Je masque l'écriture Yamaha ou Korg, tout ça là. Je le masque parce que je ne peux pas faire de publicité pour ces gens-là. C'est tout. C'est tellement simple. Moi je suis pas assez propre pour eux. Pendant plus de 30 ans, j'ai même créé des sons FM. Pour les DI7. C'est facile, ah. Laisse-les passer. Non, mais ça fait tout à l'heure, j'attends, là. Je laisse passer tout à l'heure. Tu te calmes, tu pouvais les laisser passer, c'est des piétons. Mais non, mais c'est même pas ça. Les piétons. Il y a 30 piétons qui sont passés, vous êtes d'accord avec moi? Ouais, mais même 20, gars, Guerrier, même 20. Dans votre diffusion, je ne pas te voir. Comme on a dit, hein. Je ne savais pas que... Je vais te demander si ça va vraiment. Ça va? Oui. Merci, Guerrier. Oui, là, il n'y a pas de problème, je suis là. Comment tu vas? Là, ça va? La santé. Ben, c'est l'essentiel. Hein? Ça va? Quand on est bien, voilà, merci. On bouffe bien, c'est l'essentiel. Voilà. On rajeunit. Eh ben oui, eh ben oui. Sans flash. Yes. On a de la lumière avec nos dents. Bon, voilà, merci. On n'a pas besoin du flash. Je te jure. Ça, on monte là-haut. Ouais, vas-y. Je suis avec toi. La petite recette miracle du Mali. J'aimerais que vous soyez là avec nous. Parce que il faut qu'on dise non, 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 on ne veut pas des charia. On est tous pareils. Nous, on veut de la musique et l'amour. L'amour et la musique. Voilà. Oui, ça va, ça va. C'est le bon moment. Ah ouais, à cause des bruits, des voisinages. Et tous ceux qui ont voulu faire l'union sacrée, ils sont morts. Nkrumah, Lumumba, Stephen Biko, Boumediene, tous ceux qui ont voulu l'union sacrée, Zigouillé. Et Stéphane Essel, là, le vieux monsieur, là, quand il dit indignant, il ne dit pas français. Il ne dit pas africain, il dit c'est... Non, non, lui c'est, you know. Voilà un révolutionnaire, plus de 90 ans, mais le vieux est là, il parle pour tout, toutes nos consciences. Même nos aînés qui ont laissé leur vie là, vont être fiers de ce vieux monsieur. Ça veut dire pour éviter même qu'il y ait des leçons de démocratie. La démocratie existait dans nos civilisations, nos civilisations.
qui, entre guillemets, parce qu'on dit que nous, on n'avait pas de civilisation par Sarkozy. Et le pauvre, il n'avait pas compris qu'on était immensément civilisé depuis des millénaires. Nous allons dédier ce moment de paix à un pays meurtri par, disons, la bêtise humaine. Je veux dire le nord de mon pays, le Mali, et que nous espérons libre très bientôt. Mark Gilmore, New York City, Ghana, Mali. J'ai passé 3 années de ma vie dans un couvent catholique, français, de l'enseignement de la langue française, tout ça. Donc quand je suis arrivé, la vue de Paris, je n'étais pas si dépaysé que ça, à part le froid. J'ai appris tout de la France étant dans mon pays, avant de venir ici. Mais va à l'école, dans une école en France ici et demande quelqu'un de te parler de l'histoire du Mali ou de l'Algérie, tout ça. Ça n'existera pas. Je dis, mais attendez, moi j'étais intégré avant de venir ici. Quand je suis né, je n'étais pas du tout malien, parce que le Mali n'existait pas. C'était une colonie. Hein? Et quand je suis né, c'était le Soudan français. La ville est en train d'être aseptisée de jour en jour. Tout ça là, tu ne pourrais pas faire de là, hein, au cirque d'hiver si y a pas un club où ça joue. Tu comprends? Où est cette magie là? Où se trouve ce Paris là? Voilà. Bien et toi? La femme? C'est là non? On est là. Et là, dans l'éducation, je pense que voilà, le monde animal et le monde végétal n'est pas à notre service, n'est pas là pour nous. On
on fait partie de ce monde-là et on doit être en totale symbiose avec notre environnement. Et c'est un sujet que j'ai développé dans une musique urbaine qui est le hip-hop, où on n'en parlait pas du tout, tu vois. Et ce titre-là, quand il est sorti en 92, a été complètement incompris par la communauté hip-hop. Et aujourd'hui, on veut donner des grandes leçons au Brésil en disant il ne faut pas détruire l'Amazonie. Et les gens qui donnent ces leçons-là ont été les premiers à détruire leur propre forêt pour en faire du profit. Ouais, ça fait que vous voulez faire 2007. Parce que le disque sort, il me dit, ouais, ouais, bon, voilà, il me sort le truc, il me le dépose, je vois, tout est là, il a tout gardé. Puis, après, maintenant, on m'appelle, on me dit, mais il y a un scandale. J'ai dit, quel scandale? Canal Plus. Alors, donc, je vais sur le net et je vois l'histoire, quoi. Je dis, waouh, le guerrier est passé par là. Tu vois, c'est pas méchant du tout, hein. Il n'y a rien de. C'était inenvisageable de dire à Deniso, je vais jouer France Afrique. Ah non, j'aurais joué France. De toute façon, la télé écoute tout. Donc, de toute façon, j'aurais dit, je joue France Afrique. Ils auraient écouté le morceau avant de me recevoir. D'accord. Et ils auraient dit, non, je. Vous êtes sûr qu'ils auraient. Sûr et certain, bien sûr. Bien sûr. Deniso, c'est très bien qui est Jacques Faucard. Ouais. C'est très bien qui est la Banque Conti. C'est très bien qui est Pasqua. C'est très bien qui est. Tu vois, tous les gens cités là-dedans. Donc, de toute façon, c'est. C'était inenvisageable que ce titre-là passe en prime time. Et c'est pour ça le fait qu'il soit passé, que ça a amené tous les problèmes que ça a amené. C'est-à-dire ça a amené les problèmes de... Bon d'accord, ce mec-là, et c'est un artiste, c'est un électro libre. Si on l'affiche... On est comme toi, hein. On est là-dedans. Bah oui, regarde. L'Africain en général, c'est ça. Nous, jamais on nous donnera une prime time. Jamais. Bah oui, bien sûr, bien sûr. En 77, je faisais les pompes derrière Jimmy Cliff au clavier. Et dans les années 90, avec Carlos Santana, des trucs comme ça. C'est pareil, c'est la même continuité. Ou l'heure que j'ai pris avec Stevie Wonder, en train de jouer à 4 mains ou Fela Kuti, tout c'est pareil. Lui, j'emmène toujours une vraie partie de moi de partage. Donc c'est ça qui est le plus crucial. Le monde des hommes qui oppriment, violent, tuent, donnent la oh, si voilà qu'on a sombré et regardez le passé au travers les yeux d'une victime. Tu comprends le feeling, pourquoi le style est fui, pourquoi le style se faufile dans les meetings pour changer les doctrines. Vivant, là y'a pas le choix, faut se battre, comprendre le fonctionnement du monde et le mettre dans sa boîte. Ça fait longtemps que l'on sait si bon de la musique et qu'on prenne le but. On ne fait 4 ans, les cache la texte, nos générations s'affûtent. Et quand on parle de lutte, car on la vit tous les jours, c'est pour que la pluie reste sur l'humanité. Luta, luta continua. Et je sais que la vie est si mieux. Luta, luta continua. Et je sais que
dis qu'il ne faut pas qu'il flippe. Hein. Regarde, j'ai divisé en deux. J'ai dit, moi je suis bien. C'est le secret du guerrier, ça. Merci.